Bonjour à vous, bienvenue pour l'épisode numéro 20 de la série sur Extinction. Et là, on va faire le King Titan. On va le faire dans la difficulté minimum, puisque ça sert à rien, apparemment, de le faire dans la difficulté maximum, à part avoir un peu plus de loot. Mais il loot pas grand chose. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient fait ça. Ils débloquent pas d'engramme tech, rien du tout. C'est dommage, très dommage. On va conclure cet épisode ici. Je vous donnerai en fin de vidéo mon impression sur ce DLC. Et la série sur Atlas est déjà sortie. Je vous mets le lien en description. Vous avez tout ça dans la playlist Atlas. Je vous laisse aller voir ça et je vous laisse sur cette vidéo. On a donc les mechas, on a préparé, je crois que c'est 4 mechas plus les 3 titans pour défoncer ce King Titan et let's go, ça va être un carnage. Il y a 2-3 strats à savoir, mais on va s'en sortir normalement, ça devrait bien se passer. Ok. Moi je serais un anti-ven quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bon, il faut faire gaffe à quoi? Donc au laser. À tout. Météorite. Les tourelles, elles tirent sur mes trucs. T'as des trucs. Ah merde. Je les ai sortis, je vois les toits qui font. Je fais. Ah bah ouais, faut pas les sortir du coup. Je fais. Ah bon, moi qui comptais sur eux. Bon bah. Tu tires sur quoi, les tourelles? Sur les petits machins là, qu'il invoque. Ah mince. Quelqu'un monte sur le titan de glace? Ok, bon bah je lance le titan. Strat, qu'on soit tous d'accord, à un moment donné, il va balancer un rayon. S'il y a un mecha dans le rayon du rayon. Oui, il est mort. Il est détruit instant, c'est ça? C'est ça. Bon. Et il y a quoi comme signe Ça okay. Fait une grosse lumière violette devant lui. Tu vois pas le. Okay. Ne prenez pas la lumière violette, fuyez, partez loin. Faut aller jusqu'où? Oui. Du coup, faut se décaler. J'ai failli oublier ça. Juste se décaler sur les côtés, normalement ça. Ok. Okay, et pour okay. Ça, il faut pouvoir sauter, quoi, c'est ça? Ouais, faut pas avoir la chaleur. N'ayez jamais la chaleur à 100%. Ouais, bah ça va. Ok. Eh bien, il est lancé. Et le voilà. Oh my god. Ah là là. Putain, il est plus gros quand même, ce mec. Oh putain. Oh, il est dégueulasse chez moi. Ok, on active la musique. Très bien. C'est ça, tu fais du 20 000 et tu fais moins si tu tapes encore. Tu fais du 20 000 là? Oui, tu fais du 20 000 avec ça. Oh, il est peur. C'est sûr. Oui, mais toi, elle tire. Ouais. C'est une neige, je crois. Elle fait 510. Mais lui, c'est mort? Oui. Ah ouais, dans la. T'étais. Ok. On a pas de lit ici? Il y a des dinos. Oui, oui. Il attaque tout seul, ok. Ah mais il me défonce le gigano. Normalement il attaque tout seul le. Ouais. C'est... Il se revient en mana direct. Là ils sont contre balestec le. Ok, je fais du combien avec l'épée? 440, ok, c'est bien naze. Ouh, ok, j'ai perdu 16 000. Je me décale. Il attaque enfin, en forêt, non, il attaque pas. Putain, c'est pas normal. Ouais, putain, je l'ai pas mis. Mais au pire. D'abord, je lui ai dit d'attaquer. Il devrait changer de cible. Ouais, le problème, c'est que moi, quand je tire avec mon mecha, je tire sur le titan forêt. C'est ça là. Ah, faut que je me décale. Il y a des zones. De toute façon, ça se voit tout de suite, il s'accroupit et ça veut dire qu'il. Je crois qu'il faut attendre qu'elle pop. Ok, donc là on a des. Vous êtes sûr qu'il faut péter les veines? Oui, oui. Faut les casser. Putain, c'est une galère de tourner avec les titans par contre. I'm coming. Par contre, pour les casser, c'est comme des vrais drops à veines. Détruire les vagues d'ennemis qui arrivent dessus avant de pouvoir. Ah, ok, bah là nous on détruit tout ce qui est les petits trucs autour. Le titan glace, va sur le King Titan, va pas sur nous. Ah, oui, les titans. Non, va pas sur. Y a que moi qui vais. Y'a que le titan de Tether qui s'occupe. Ah, y a toujours les gros sur. Moi j'aide ceux qui font la veine à éléments. Par contre, du coup, on pourrait envisager par exemple de sortir un gigano pour faire la veine ou pas? Oui. Non, faut le faire. Je pense. Ouais. Hein.
Oui. Bah, tu peux le faire en mecha, les mechas ça fait plus de dégâts qu'un gigano. Ok. Je suis pas sûr. Sur les drops à les mains, oui. Je faisais presque du 100 000 avec mon mecha 50. Ah ouais, 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 c'est vrai. Truc. Le mec fait plus de dégâts. Ouais, en effet, en effet, en effet. Bon, ça fait pas de dégâts. Faut vraiment la détruire la veine là, et on n'arrive pas à la détruire ou. Il faut faire les vagues. Il faut faire d'abord les vagues des guillemets à côté. Oui. C'est pour ça que je fais des tours depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, mettre des éclairs aussi en même temps, mais ouais. Le problème c'est qu'il y a un coup de l'arme. Yes. Ouais, j'arrive que mettre. J'ai pris un malade tellement petit. Je peux pas en fait, j'arrive pas à toucher les veines à éléments donc. Ah ouais, j'ai mon gigano sur moi s'il vous plaît. J'ai un gigano sur moi aussi, je viens de mettre mon mecha en réparation parce que. Moi c'est les petites que j'arrive pas, tu sais, les minuscules là. On va se faire tuer, les gars. Non, rien faire. Parce que c'est des corrompus trop HL. C'est des 300 quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'en as fourré mort déjà? Non, il tape. D'accord, je suis mort. Ah, il est tout en forêt, il se fait sa vie. Non, oh, ouais, là il est parti acheter du pain. Hein. Tu aurais rajouté des toiles sur le stand glace là. Je prends ma vie de toute façon. Bon, allez, plus qu'un million de HP. Oh putain, attention, il a le rayon ou je sais pas quoi là. Allez, oh là là. Ah putain, ça fait du 400, ça fait rien les mechas comparé au titan. Je vais monter sur le titan forest. Fais gaffe, parce que tu risques de mourir, je vais essayer de. Ouais, je vais le siffler passif et je vais le siffler vers moi. Aïe. Ah, je peux pas le siffler vers moi. Ok, on va se débrouiller. Easy, let's go. Je me suis fait défoncer par les dîmes. Tu dois descendre. Activer l'autoration automatique. Voilà. Ok. Ah, ils sont à bouger, tiens. La veine à éléments, je crois que vous avez. Oh la vache! Moi, là. Oh, wow, qu'est-ce qui se passe? On a volé comme jamais là! Ouais, je suis tombé à perpète là! Ah bah, moi je suis tombé au milieu des dinos corrompus! Hein. Ah! Ah, c'est bon! Bien fort! Arrêteur, c'est temps de merde! Bon bah, va falloir que vous remontiez parce que. Enfin, la veine a été détruite! Ouah, je fuis, je vais chercher le titan forêt! Ça va être compliqué là. Ah, y'a un point, il est en train de préparer un point de ses morts là, je sais pas ce qu'il va faire mais. Ça va faire très très mal là. Restez pas devant le titan hein. Ça fait du 35 000 et c'est ce qui tue quand il va en titan, c'est ce qui m'arrive. Ok. Vas-y, je monte sur le titan des. Oula, je vais peut-être pas monter tout de suite. Ouf. Il a fait 3 fois 35 000. C'est ça. Viens là, titan forest. C'est bon, je suis monté sur le titan forest. Bah ça va, s'il a déjà fait son point, c'est bon parce qu'il le fait pas sur. Bon, ça marche. Ouah, mais il est lent de ouf le titan forest à taper. C'est celui qui fait le plus de dégâts, c'est. Bon bah, bonne nouvelle, j'ai plus de tourelle. Ouais, moi une des boules de feu a détruit mon générateur. Ouais, je ça. Tu veux que je revienne avec un nouveau générateur? Il te faut quoi comme générateur? Bah, tu es à la base donc. C'est bon, sûr. On a la deuxième phase des veines. Donc en gros, il va rester à ce point de vie. Voire même, il peut baisser. Ouais, il baisse, putain. Non, c'est pas. Ça y est, il s'est réveillé. Allez, le titan, viola. What? Ah, je
Je crois que c'est bon. Oh putain! Ah bah, je vais traverser le mur, ok. Il envoie l'autre bout, ouais. Bah oui, bien sûr. C'est passé quoi? Il propulse tout le monde à l'extérieur pendant cette phase là. Attention de pas être devant là. C'est même plus à l'extérieur, c'est. D'accord, parce que j'ai pas encore été propulsé une seule fois. Ouais, c'est même pas chiant en volant. Ouais, en volant, c'est plus simple. Oh là, on est bientôt sur ce frein, c'est bon. C'est grâce à mes éclairs, bien sûr. Let's go! On a propulsé son Let's go! Je tankerai son coup, j'espère. C'est bon! Bouffez les pas. Ah, bah j'ai pas de taxiderme. Help! Et le. L'engramme. Oh, je vais crever. Alors, ça va être au milieu là, au truc central, je crois. Ouais, il faut aller au truc central et attendre. Ça, je crois, 2 minutes le temps de se lancer. On a eu donc. Bah, en vrai. Ah, ouais. C'est clairement du stuff de merde pour un King Titan. Putain, oui, quand même. C'est ouf, hein. Et moi en plus j'ai même débloqué aucun engramme puisque j'étais pas là quand vous l'avez buté. Et bah tu sais quoi, on a débloqué aucun engramme non plus, donc le King Titan ne débloque pas d'engramme tech. Le seul truc que je prends c'est le drapeau, voilà. C'est un délire. Mais quel drapeau? On n'a pas eu de drapeau. Si, le drapeau est sa tête. Il y a un drapeau du roi. Ah, je crois qu'on va avoir la cinématique là. Ah putain. Mais il a été drapeau, je suis allé le loot. On va regarder ça. Tranquillement. Qu'est-ce que Ark nous a prévu pour la toute dernière cinématique de ses, normalement de son dernier DLC? Hop. Les cinématiques de fin sont quand même bien cool. À chaque fois, elles sont toujours très sympas. On comprend pas trop la cinématique, mais... La corruption qui se désintègre. Absolument magnifique. Ça commence enfin. Les arcs retournent à la maison. Toutes ces graines de vie, plantes, animaux, humains. Ils vont prendre leurs racines tout autour du monde, dans tous les coins du monde. Notre maison, cette planète, will blow. Once more. Exploser une nouvelle fois. Le reste de l'infection, les arcs. Donc les maps en gros là. Tout ça va le désintégrer. Ah oui, pas qu'un peu. Et ça c'est The Island. 1000% c'est The Island. Je sais pas si on est arrivé à un point où l'humanité est devenue un truc transhumanique ou je sais pas quoi. Ouais, c'est The Island en face, il est revenu sur Terre. Donc de ce que je comprends, ouais. Très bien. Eh bien, Wildcard, bravo quand même pour le jeu que vous avez créé. Un grand bravo en vrai pour ce qu'ils ont fait. Pour tout ce qu'ils ont fait. Les développeurs de Extinction, c'est pas les développeurs de Ark de base, ceux qui ont fait le DLC. Et le DLC, alors, il est bien. Il est beau, il y a des titans et tout, c'est cool. Mais à la sortie du DLC, il y a eu beaucoup de soucis. Et il y a quand même peu de contenu, en fait, au final. Même avec les titans. Et l'importation des titans sur Ark a quand même causé un peu la fin de pas mal de choses.
Aujourd'hui, ils ont mis des mises à jour pour changer ça. Les titans sont devenus beaucoup moins impactants. Mais par exemple, sur le PVP, on s'est fait raser notre base par un titan. Enfin, presque entièrement, là, actuellement. Alors qu'on avait, je sais pas, 500 tourelles. Alors que le titan se tame en 30 minutes avec 3 chouettes, quoi. Genre, il n'est pas optimisé. Mais bon. Franchement, beau DLC. Pas tant que ça de contenu. Mais une très belle chose quand même de la part de Wildcard. Mais ce que j'attends plus que tout, c'est Atlas qui va sortir, qui est déjà sorti, mais pas à l'heure à laquelle où je tourne cette vidéo, mais Atlas va sortir, et j'en attends énormément, j'espère qu'ils vont faire ça bien. C'est le nouveau jeu par l'équipe de base qui a créé Arc de base, donc pas l'équipe qui est sur Extinction actuellement et qui règle les bugs de Extinction, c'est une autre équipe, c'est l'équipe qui était sur le tout début du jeu, et j'en attends tellement. Et d'ailleurs on a Homo Deus maintenant, comme dans l'engramme, donc on est devenu un homme-dieu. Trop bien. On va voir ce que va devenir Atlas par la suite, mais c'est une rencontre entre Arc et Eve Online, et ça me fait extrêmement plaisir, et je vais y jouer à fond, je pense, et en mode tryhard avec beaucoup de personnes. De quoi? Bah en fait, sur mon truc de la main, tu sais, le losange que t'as dans la main, quand ouais. Tu regardes ton inventaire, le truc il a changé. Non. Et oui, maintenant tu es un dieu. Ah oui. Ou une déesse. Une déesse, je préfère. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que cette série sur ce nouveau DLC vous aura plu. Je voudrais remercier les subs qui étaient présents sur le serveur sub, puisqu'il y en a eu quand même pas mal qui sont venus, qui ont joué, etc. Et le serveur sub va devenir un serveur Primalfear. Voilà, donc si jamais vous voulez voir, vous voulez vous renseigner, vous voyez ça sur le Discord et en live. Vous pouvez me poser des questions. Tout ça se passe en live ou sur le Discord. Ça va devenir un serveur Primalfear sur Ragnarok. Voilà, et je voudrais remercier Kandara, il y avait Black, Artanis, Gabeldir, BibXD, Raph qui était présent pour le boss. Désolé si j'en ai oublié, il y en a d'autres qui étaient là, hein, qui ont participé sur le serveur sub, etc. En tout cas, j'espère que l'expérience vous aura plu à vous aussi. Et on se retrouve très prochainement pour du Atlas, une nouvelle série PVE modée sur Arc sans doute. On verra quand, on verra après les fêtes de fin d'année et après janvier. Nexus RP saison 4 qui sort fin février sur les streams et peut-être en vidéo, mais c'est quand même compliqué de faire du condensé. Je cherche un monteur s'il y en a qui veulent faire du condensé de vidéo RP, c'est très long à faire, c'est pour ça que je peux pas forcément le permettre. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon Noël, bonne fête de fin d'année et à la prochaine pour la suite. Salut !